Facebook, Google, après 20 ans de travail concernant l'analyse des nouvelles tendances au niveau de la technologie numérique, Facebook et autres, et ce qu'on pourrait en fait donner crédit aux informations véhiculées par ces canaux numériques. I'm going to use some animation to walk you through something that I believe is the next wave of Mais je suis convaincu en fait que l'Internet est là pour durer. It's called blockchain, et I would say it's the new technology of trust. Il y a aussi un besoin pour renforcer la confiance au niveau du contenu véhiculé par l'Internet. Ceci nécessite bien sûr un changement de paradigme. Comment on appréhende les informations véhiculées par Internet, c'est l'information qui nous inonde avec une grande vitesse et qu'il nous est difficile en fait de And let me explain that in a small animation that I think we are sur une animation, at the beginning of a major change. If you look at how we interact, is we transfer over the internet information. Nous envoyons vers internet les informations par groupe. Music, que ce soit PDF, PowerPoint, whatever, de la musique ou un autre contenu qui est échangé entre duplication and most of the cases somebody that verifies that this is being processed in the right way. C'est le processus sur lequel s'est basé Internet et ce qui a généré par la suite des problèmes avec l'intensification des contenus et surtout la sensibilité des contenus véhiculés lorsqu'on parle par exemple de données financières à échanger, comment garantir la sécurité. The blockchain, what's the desire is that we're moving now in a world that physical assets can be transferred. That means we don't want to have a duplication of assets, whatever is out there. We don't want to use a third party. Par it's almost like a self-regulated way exchange, doing a deal, doing a transaction, exchange And so the blockchain technology at the end is, entre deux parties sont it's something une tierce partie qui serait la garante de ces transactions. Very direct peer-to-peer. Donc, on parle d'échanges peer-to-peer sans, à travers Internet sans aucune garantie. Ce qui se fait, comme je dis, sans l'intervention d'une partie tierce en une minute, potentiellement, à travers Facebook ou Uber. Other third parties that usually between two parties are involved. Des échanges importants peuvent être effectués sans l'intervention d'une partie tierce. I think you can describe this in four topics. One is everything is digital, there's no paperwork anymore. D'une phase de contrôle qu'on appelle blockchain en anglais. And the difference is that the network, that means you and I and other parties will verify Internet, in an automatic way those transactions by consensus. So it's a very decentralized thing. And I will have an example in a minute about the media industry that the community at the end will make sure that those news are the right ones and parce qu'on parle ici de la véracité des informations qui sont véhiculées. And it's secure, so you cannot add, move, change this information if it's out there, it's verified. Sur publier des informations sans que ces informations soient vérifiables. And it means, what's the difference is at the end, the middleman, it can be a buyer and a seller, it can be an eBay that will disappear. There will be a direct relationship between an investor and a company, somebody wants to invest. And that's for me a real example right now in the industry because the venture capital industry is getting diminished by this. La valeur, par exemple, de l'investissement d'un fonds sur un
sera garanti par le contrôle opéré au niveau des blockchains qu'on va mettre en place en transactions électroniques. Ce blockchain, donc, c'est un niveau de contrôle qui servirait pour vérifier effectivement la véracité des informations, mais aussi la crédibilité des transactions. Depuis plusieurs années, on essayait de voir comment trouver une solution concernant les transactions électroniques. Des startups ont travaillé pour des solutions. Et effectivement, si l'on analyse les montants dépensés pour arriver à une solution, on parle de millions de dollars. Il y a quelques 700 millions de dollars qui ont été investis cette dernière année en matière de contrôle par le biais des blockchains. Et jusqu'à présent, des solutions définitives n'existent toujours pas, car il s'agit en fait de niveau de contrôle très sophistiqué destiné à vérifier la légalité de transactions financières. Let me walk you through one example. I'm not talking about financial services. Je ne parle pas uniquement du secteur financier parce que jusqu'à présent, le secteur bancaire et financier est le plus demandeur en matière de solutions de contrôle concernant les transactions. Mais néanmoins, il y a d'autres secteurs qui appellent à ce qu'il y ait des niveaux de contrôle des blockchains pour vérifier la véracité des startups par le biais des sociétés et qui fournissent les solutions et les produits aux clients. Increase the adoption for that. So there's collaboration. Si vous voulez, par exemple, that's decentralized, and there's a factual way also to put information ou, out there. Something that's really fascinating to watch. I think voulez, the adoption of those kind of technologies will be faster than I would say Facebook. Garanti entre guillemets, ces startups pourraient vous fournir des informations et qui vous aideraient à prendre votre décision. And this can be applied for all industries like financial services, logistics, healthcare, and other industries. At the end, we're talking about significant benefits from perspective. Au niveau exactly. We're talking about simplification. We're talking about simple speed, transparency, une transaction so the technology et une vérification itself, rapide. At the end, it's a new technology of trust. Début. Mais elle vise à renforcer la confiance au niveau des parties contractantes. Des expériences pilotes sont lancées. Thank you very, on aspire very much. Bien sûr à des lendemains meilleurs. Merci beaucoup. Je ne dis pas effectivement que ce défi de la confiance sur Internet et les transactions sur Internet est déjà relevé. There is a record because everything will be recorded on the Internet. So the traceability of c'est vrai, la traçabilité des transactions sur Internet sont enregistrées. Il y a toujours un moyen d'enregistrer ces transactions, mais cela ne suffit pas. And it's a global theme. It's not limited to en fait, ce risque est global. Countries, etc. Ce n'est pas propre à certains pays de par le monde. Le risque de transaction numérique est universel. Merci. J'espère que lorsqu'on arrivera au débat avec les assistants, des questions seront données pour clarifier un peu quelques aspects de ce que vous nous avez présenté. Bâtir et consolider la confiance au niveau des transactions numériques n'est pas chose facile. Ceci nécessite bien sûr beaucoup de renforcement des capacités de formation. Who do you trust? C'est ce qui nous manque jusqu'à présent, en fait.
get incentivized to be part of the regional et il est nécessaire, bien sûr, que les professionnels so that's a different role that the editor de l'aspect confiance en matière de transactions numériques. As a former editor, I'd probably make more money with your blockchain. Ex-éditeur, je sais que le monde des médias est devenu électronique depuis un certain temps maintenant. Merci.